Tout de suite, on va enchaîner avec Côté Roulotte. Il y a que des jeux, c'est pour vous. Salut, hey, salut. Alors oui, effectivement, bon, je suis venue sans Claude. Mais on a l'habitude à force. J'en suis la première à trister. Ben, je sais, comment mais... ça, t'es venue sans Claude ? Donc en fait, Claude a beaucoup un emploi du temps très très chargé, donc c'est assez compliqué. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle me dit, je sais pas ce qu'elle fait à vrai dire à l'heure actuelle. Elle a peut-être débarqué, là, on sait pas. Ah, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec Claude. Alors du coup... Alors vous êtes parti, si je ne me trompe pas, en deux deux faire les routes de Champagne. Effectivement, en deux chevaux sur les routes de Champagne, c'était très sympa. En fait voilà, on s'est dit, bon, finalement on est de Champagne, mais on a rarement fait la découverte de ce patrimoine sur les routes. Effectivement, classé à l'UNESCO. Effectivement classé à l'UNESCO, ouais. Donc on s'est dit qu'il était temps d'aller voir un petit peu où est-ce que ces routes nous menaient. On regarde votre road trip du coup. Ouais, regardons ce road trip. Okay. Écoutez, aujourd'hui on vous amène sur la Côte des Blancs. Et on fait un petit tour. On a trouvé une petite dédache. On a trouvé la petite bouteille. On a la petite bouteille, le petit vin rouge. Le caméraman s'engueule. Parce que cette fois on a des caméramans, et oui. Les budgets ont augmenté. Et voilà, on vous emmène faire un petit tour. Suivez-nous. Hein. Et un petit coup de clé rapide aussi. C'est pas la brûle quand même, hein. Si on marche arrière. Tranquille, Camille, Claude. Mais je... Et on tourne. Bon, Claude, comment tu... Oulala, ça j'aime pas ça. Quoi? Ouais, t'es au neutre là. Quoi? La première. Non, j'étais en... Bien joué à Claude! Allez! Claude est toujours au volant et pense maîtriser la bête maintenant. Je la maîtrise, j'ai dompté la bête. Contre notre volonté, on nous force à boire de toute façon. Ah ben bah, on avait dit oui, après on est d'accord que là le reportage c'est de montrer un peu les champagnes qui ouvrent leurs portes, ma petite Claude. Le dimanche, donc, en deux dush. Arrivé à Cramant, j'ai envie de dire qu'un coup de klaxon est peut-être nécessaire. Ouais, je te laisse. Vivez. Hop là. Alors là vous voyez, on arrive à Cramant et on voit le panneau route. Champagne ici même. Il y a un bac on est en train de suivre. La manucure toujours parfaite de Claude, même en dehors. Embrouille au sein de l'équipe. Ouais, je reste ça. Ouais. Et voilà les routes de Champagne que nous suivons. T'es pas obligé de faire des gros plans comme ça, je te jure. Vous voulez que je mette un coup de boost? Non. Mange quand je parle, quand je conduis. Regarde là comment elle presse cette boule. Un nouveau voyant s'est allumé, moi je suis un petit peu inquiète, Claude n'a pas l'air. Qu'est-ce que tu m'as dit? T'allais pas m'emmerder encore longtemps, moi j'ai déchargé sur le côté de la route, ça a l'air comme ça cette aventure. Et là, toujours tout droit? Tout droit Claude. Hop, on va s'en refaire un petit. Et ça, et le mariage de Claude. Je fais un petit. Allez. Alors là, on va se faire un arrêt en maison de Champagne, quand même, toujours sur la route touristique. Toujours Claude au volant. On fait une petite halte au Champagne à la fin. Avec ma Claude et notre petite Deloche. Donc à vous, Claude, qu'est-ce que t'en penses? C'est très très beau. Je suis toujours pareil.
Voilà, c'était le retour de ce tour de champagne en deux chevaux. J'ai l'impression Anne-Sophie a apprécié. Je crois qu'on lui a donné des idées pour le week-end. Tant mieux. Ça fait toujours plaisir de partager les bons plans de côté roulotte. Du coup, Claude, bon, t'as un peu eu de mal au début quand même, hein. Mmh. On est d'accord. Oui, mais je pense qu'il y avait un handicap. C'était un peu toujours pas évident de conduire dès le premier coup, de se lancer sans avoir conduit deux chevaux. Ça, je suis d'accord, Claude. Après, il y a différents moyens de réagir quand même face au volant. Anne-Sophie, tu es d'accord avec moi, peut-être? Voilà. Après, voilà, ça arrive à tous, effectivement, mais en plus, c'était la première, donc tant mieux si ça s'est bien passé. En tout cas, ce qui est important de dire, voilà, c'est aussi qu'on peut réserver en ligne les deux chevaux. Exactement. Donc, vous pouvez aller sur le site, et là, vous allez voir toute la réservation qu'on vous met juste en bas. Voilà, c'est de l'Office du Tourisme de la ville d'Épernay, c'est exactement ça. Et disons que ça permet de, voilà, de s'éclater, Anne-Sophie, et de voir ces paysages classés à l'UNESCO, effectivement.